fin arrive à CTL au MBC. Merci ou peut suivre nous depuis Cotou à nous guettons Sam Sommet à sa édition là. Nous, à Stella, en période conze l'école, ban zen et n'a différentes options pour profiter ça. Ban sortie, ban esquiation ou soit même mal campé, nous pour faire le point dans sa zone là. Distinction pour Amédée Mangor Lodge et Mauritius, li en tête dans classement ban meilleur salon pour 2024. L'in devance même ban salon comme South African Airways et que Royal Air Maroc. Dans le Parlement, on dit tantôt National Flag, Arms of Mauritius, National Anthem and Other National Symbols of Mauritius Amendment Bill fin voté sans amendement. Un projet de loi qui fin présenté par Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth. Et que Déo dans Pune, dans l'Aisne, ban Krolapi a fait bien dégâts et na place fin gagne débordement. Madame Missier, bonsoir. Ban travaux parlementaires fin reprend à Zordi 4h tantôt. Private Notice Question, lead de l'opposition, est accès le ban activité compagnie Global Equestrian Limited. Orvin Boulel, tu les connais si sa compagnie la fin gagne un investment certificate et que ban conditions attachées. En l'absence ministre finance, c'est ministre Mahenti Rotten qui fin répond PNQ, li affirmé qui Global Equestrian Limited fin gagne un investment certificate depuis Economic Development Board en mai 2022. Li fin aussi préciser que EDB n'a pas fin donné aucune licence à sa compagnie-là. Ministre Siroton dit qu'à ce jour, EDB fin émette 276 certificats liés à investissement, développement, ban exportation et ban secteur et maison. Compte rendu. De sa réponse, ministre Mahen Siroton indique que Economic Development Board a délivré un certificat d'investissement à Global Equestrian Limited en mai 2022. Projet-là, il a 3 ans et est estimé à 270 millions roupies. Il trouve dans Balaclava et il concerne ban activité comme l'élevage, services vétérinaires et réexportation animaux. Par contre, aucune licence n'a pas fin délivrée. Concernant paiement taxe pour sa compagnie, la Mahen Siroton India, qui d'après la loi, pas gain droit divulguer aucune information qui est liée à taxe pour un contribuable. Les fins toutefois apportent certains éclaircissements. Following the issue of the investment certificate, the company will not have to claim VAT repayment on capital goods, as it is exempted from payment of VAT upfront time of purchase of construction materials. As such, this exemption does not represent any cost to government. Leaders of opposition is misleading the House by stating that horses have been imported and VAT hasn't been paid. I can confirm to the House that all the horses that were imported, VAT has been claimed and VAT has been paid to the tune of 2,9 million rupees. Question supplémentaire, l'idée de l'opposition, Orvin Boulel, l'Urban Source Revenu, compagnie Global Equestrian. Before the said company was issued that investor's certificate, a due diligence exercise was carried out, and based on that, the certificate was issued to that particular company. Ministre Siroton a aussi annoncé qu'il jusqu'à aujourd'hui fin délivrer 40 certificats d'investissement dans divers secteurs comme agroalimentaire, technologie, l'éducation et la santé. 230 autres certificats fin délivrés pour développement exportation et 6 certificats à une compagnie qui n'investit au moins 500 millions de roupies dans un secteur émergent. Mahen Siroton a aussi dit qu'en 2023, Maurice a enregistré un niveau record investissement direct étranger, 37 millions de roupies, grâce à une mesure prise par le gouvernement pour faciliter le business. Pourcentage des élèves qui bénéficient de l'éducation pré-primaire gratis finit par 73% à l'année-là. Avant, ça tolatit 20%. C'est ce qui vice-premier ministre et que ministre de l'Éducation, Lila Davidoukan-Lachman, fin d'hier, a dit tantôt dans une déclaration dans le Parlement. Lydia, qui est née à 19 147 élèves qui est née à 3 à 5 ans,
qui profite de sa nouveau politique gouvernementale. Lila David Kanachman, Finusi Kose, l'ONCO, qui poumène à un diplôme in Early Childhood Management et qui en préparation un programme qui pour lancer en janvier 2025. Pour tout de suite, me propose un extrait de déclaration ministre Lila David Kanachman. Mr. Speaker, sir, the current state of play in the pre-primary sector shows that there are 26,251 children enrolled in 795 pre-primary schools in the island of Mauritius. There are presently 661 schools providing for free pre-primary education to 19,147 pupils. This brings the percentage of free pre-primary schools to 83%, and the percentage of children benefiting from free pre-primary education to 73%. For this financial year, 2024-2025, 750 million rupees have been provided for the schools. The scheme has been introduced so as to bring greater equity in the system, thereby alleviating the financial burden faced by parents having children in this subsector. Et que ministre de l'Éducation Finusi Kose l'introduction Technology Education pour les élèves grades 10 et 11 depuis janvier dernier. L'objectif de sa programme d'études-là, c'est transmettre les aptitudes et les compétences qui en demandent. Après un premier groupe 86 élèves dans 6 écoles, pour extendre sa programme-là dans 4 les autres établissements en 2025. Nous enseignons et que sa nouvelle-là a mis des mains dans Lounge et Mauritius, qui figure en tête classement ben meilleur salon pour 2024. C'est un classement qui finit publié par Business Insider Africa le 31 juillet dernier et qui finit compilé par l'agence RCS Skytrax. Mauritius devance plusieurs salons comme South African Airways et aussi Royal Air Maroc grâce à ce service et sa hospitalité. À nous guetter ensemble. Situé dans l'aéroport international Sir Siusagor Ramgoulam à Plaisance, Salon Amédée Mengo étalé l'ON superficie 1860 mètres carrés. L'IENA a deux niveaux et il est capable d'accueillir jusqu'à 400 personnes. Sa salon Air Mauritius là offrir à ban passager un espace pour se détendre pendant qu'ils peuvent atteindre leur vol. Dans le classement qui fin compilé par Skytrax, Salon Amédée Mengo prend première place parmi les salons aéroports en Afrique pour 2024. Une nouvelle récompense pour sa infrastructure là qui continue d'être une référence pour la région après qu'il fin être élu Indian Ocean's Leading Airline Lounge pour le dernier World Travel Award. D'après firme Modo Intelligence, le salon de l'aéroport devient de plus en plus populaire pour les voyageurs. Sa mort c'est là qui en pleine expansion pour atteindre 9 milliards de dollars d'ici 2029 comparé à 4 milliards en 2024. Sa croissance là l'y attribuer à un nombre grandissant de bandes voyageurs et à une demande accrue pour une expérience voyage haut niveau. La Banque Maurice fin intervenir le marché d'échange dans Maurice ça lundi là. Les fin van en somme 20 millions de dollars américains à un taux 46 roupies 40. C'est ce qui fin préciser dans un communiqué. La Banque Maurice a dit. Bizin aussi connaît qui ban marché boursier dans les mondes fin chuter ça lundi là. Alimenté par ban crainte d'une récession imminente dans l'Amérique. Ban les autres la bourse européenne fin aussi enregistré ban baisse pareille et que marché boursier Japon fin lui aussi enregistré une baisse. Competition Commission a fait enquête loin de l'entente présumée entre ban compagnie d'assurance. Une enquête qui concerne ban insurance policy destinée à ban entrepreneur et qui couvrait ban dommages corporels ou soit matériels causés à ban tiers dans cadre ban projet construction. Un produit qui appelle Third Party Liability on Contractors All Risk Insurance. L'enquête là l'hypothèse le ban police d'assurance qui couvrait ban dommages corporels ou matériels qui ne fait pas ban tiers dans cadre projet construction third party liability on contractors or risk insurance. Competition Commission peut soupçonne 11 compagnies d'assurance pour une vie ensemble pour limite montant couverture et arrête fournir ban police d'assurance
qui offre une couverture illimitée. Une telle coopération entre banques compagnies d'assurance élimine concurrence, ce qui devrait exister en zut comme une entreprise indépendante. La commission estime qu'il ban entrepreneur risque pas gagner choix si une seule couverture limitée est disponible au marché. Si ban fait livrer, un tel accord est point de violation de l'article 41 de la Competition Act 2007 et donc c'est une pratique illégale. Selon une disposition de la loi, une sanction financière pour capable à jusqu'à 10% depuis chiffre d'affaires, une période maximale 5 ans pour chaque entreprise qui est reconnue coupable d'infraction capable imposée par Competition Commission. Competition Commission peut demander tout le monde qui a l'information pour venir de l'avant. Tout le monde besoin d'un accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive. Et pour ça, sécurité alimentaire l'IRES une priorité. C'est dans sa optique-là, justement, que l'Académie des sciences et de la technologie de Maurice finance un livret. Sa livret-là montrait que Maurice est autosuffisant en ce qui concerne qu'il tient vivrière, mais qu'il a encore beaucoup de travail pour faire pour atteindre sécurité alimentaire pour tout le monde. Maurice est autosuffisant en ce qui concerne man qu'il tient à vivrier. À ce jour, près 100% man légumes frais, fruits, volailles, la viande et que disait satisfait. Par contre, nous pouvons produire 60% de nous man consommation pommes de terre et 40% oignons. Avec 1,26 million Mauriciens et qu'environ 1,3 million touristes par an, nous pouvons bien manger pour 1,4 million de monde tout le temps. Et ça nécessite une augmentation de production locale. Nous tout connaissons aussi de manière avec différents défis qui nous énormes, que ce soit par rapport au manque de main-d'œuvre, que ce soit au problème du climat, que ce soit aux contraintes de la disponibilité de terre. Comment on augmente le rendement, comment on augmente la productivité et comment on utilise la technologie, augmente la production locale. L'Académie NAP a souligné que Maurice est politiquement stable avec un taux d'alphabétisation supérieur à 92%. Ça va être une condition là, demande une plus grande participation de nos jeunes à sa secteur là. La sécurité alimentaire, c'est l'affaire de tout le monde. Nous besoin encourage nos jeunes à retourner vers l'agriculture. Nous besoin optimise nos ressources pour qu'ils nous puissent produire de manière efficiente et utilise nos nouvelles technologies. Également souligné parmi mes recommandations, l'immense zone économique exclusive, soit 2,3 millions de kilomètres carrés, et que coopération régionale pour atteindre une autosuffisance alimentaire. Dans le domaine de la santé, FIN organise un workshop 4 jours dans le cadre de la Semaine mondiale allaitement maternel. Thème qui FIN retenir à cette année-là, c'est Closing the Gap, Breastfeeding Support for All. Pendant cérémonie ouverture, ministre de la Santé, FIN cause la collaboration entre son ministère, l'OMS et aussi l'UNICEF. Selon l'OMS, allaitement maternel est un des moyens plus efficaces pour garantir la santé et la vie des enfants. Les maternelles contiennent des anticorps qui protègent les enfants depuis les maladies infantiles courantes. Les mamans qui allaitent aussi présentent un risque moins élevé pour développer un cancer sain ou ovaire. Toujours selon l'OMS qui soulignait toutefois qu'il y a moins que la moitié des nourrissons qui n'ont moins que 6 mois exclusivement allaités au sein. Dans Maurice, 10-20% de mamans allaitent exclusivement ce bébé pendant 6 mois. L'autorité fin vint de l'avant avec un National Action Plan lancé en 2022. Objectif augmente le taux d'allaitement maternel pour arriver 50% nourrissons allaités d'ici 2027. L'allaitement n'est pas juste aussi par rapport à bien-être du bébé, nous avons aussi l'attachement qui nous cause beaucoup par rapport à la mère et l'enfant et nous cause beaucoup aussi le bien-être que ça apporte la maman même. Et l'action familiale cause l'allaitement exclusif parce que l'allaitement exclusif apporte tout, qui dès l'eau qui est opérodée, qui vitamine qui est opérodée, tout le bien qui est opérodé. Ben spécialiste et que consultant l'OMS et l'UNICEF à Maurice pousse à l'occasion là. Nous essayons d'aider les pays dans le monde entier pour protéger et encourager l'allaitement maternel autant que possible. Nous connaissons qui c'est l'intervention sanitaire qui est plus importante qui nous capable de faire avec un nouveau-né. Tout le monde besoin comprend que l'importance, ça veut dire l'allaitement maternel. Alors nous besoin connaître comment nous pouvons passer cette information. C'est un travail qui nous a fait après nos action plan qui permet de nous tous les différents aspects, nous-mêmes, quelle manière nous pouvons faire.
faire et comment nous capables de continuer à améliorer dans tout ça. Ministère en collaboration avec association GEM ou groupe Enfants et MEAP prévoit une étude prochainement pour déterminer taux allaitement exclusif et évaluer les défis qui concernent. L'exercice pour soumission EDF, ça veut dire Employee Declaration Form, pour l'année financière 2024-2025 fin commencé, li concerne ban travailleur mauricien et aussi étranger, ban secteur public et privé, mais aussi ban employeur. Un exercice qui bien important, surtout pour calculer taxe le revenu. Plus de détails dans sa reportage là. Depuis le 26 juillet, il est possible de soumettre Employee Declaration Form pour l'année financière 2024-2025 sur le site web MORI. Bref, pendant ce pause des années, sur ce computer. Je fais remplir mon formulaire EDF sur le website MORI. Il est bien facile et efficace. Et en tant qu'un employé, il est bien important qu'il me fasse pour que mon employeur soit capable de déduire mon PAYE. Sa démos dématérialisée là concerne ban employé secteur public et secteur privé. Li IDF pour permettre de déclarer de déduction et allocation auxquelles je tiens droit et détermine impôt l'eau revenu. Comme exemple, mettons on a ban enfants pour l'université, ok, là on a droit à ban déduction. On a ban dependents, on a ban déduction. Et ça, c'est ban information qui ban employé donné et qui accessible à tout ban employeur, employeur respectif et ban employeur, je service à ban information là pour je calcule le montant de PAYE, hein, pay as you earn, qui pour déduire depuis dans votre salaire pour remettre à la MRE. Et je précise li, ça li prend en compte ban revenu qui peut percevoir du 1er juillet ça l'année là et ce jusqu'au 30 juin l'année prochaine. Ban contribuable, bizarre respecter date limite qui finit fixée par votre employeur. Maintenant, si vous dépassez la date butoir qui est annoncée par votre employeur, ben là, votre employeur n'a pas pour d'autre choix que de déduire un certain pourcentage systématiquement de votre salaire, de remettre ça à MORI. Impôt pour mois juillet et août 2024 pour calculer le ban donné l'année fiscale 2023-2024. Et tout résistement pour effectuer le salaire mois septembre. Cet exercice-là concerne plus que 350 000 personnes qui ont enregistré côté Maori. National flag, arms of Mauritius, national anthem and other national symbols of Mauritius amendment bill fin voté sans amendement, as on dit tantôt dans l'Assemblée nationale, un projet de loi qui fin présenté par Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth et que sa prosée de loi-là porte l'oban version monochrome en nuance gris et qu'en or linéaire ban homoiri Maurice et aussi sous Maurice ban symbole qui pour figure l'eau tout ban correspondance officielle gouvernement et que l'eau n'importe qui les autres l'article gouvernemental incluant uniforme ban département gouvernemental. Motiapé diaoli dans titre comment on connaît quand elle est collapé continue et ban zen choisir plusieurs activités qu'ils autres content pour profiter et na content à la mer ban les autres préfèrent ban excursion ou soit ban escalade comment on peut trouver nous l'équipe finale zoine azordi ban zen Mauritius Scout Association qui peut camper l'eau la place mon choisi. Ban nouvelle DOA Stella dans Pune, gros la pluie a pu continuer tomber, département météorologique indien fin même émet un alerte rouge, puis à l'endroit fin enregistré jusqu'à 100 mm la pluie et qu'en a aussi ban l'endroit à côte fin en a débordement. Dans Maurice, qu'il est temps à paix réserve nous. Un oguet sans sam, situation générale, un divan lésé à paix soufflé, l'honorésion. Bonne prévision pour prochaine 24 heures, les temps pour corée qu'à soi, dimécra matin, les temps pour mi-couvert avec un petit lapli, l'obanotère. Dimé la zonée, les temps pour correct, sauf pour une péniase dans l'ouest et qu'un parti plateau central. La mer pour mauvais ondes et au brisant avec ban la houle des mètres 50, ban sortie en haute mer et que dans ban lagon lécide, zot déconseillé. Marée haute, dimé, énée à 28 et que 14h30. Marée basse, 19h59 et que dimé 8h05. Soleil pour lever, dimé cramatin, 6h37. Madame Issier, nous on a fini ici. Merci pour fidélité. Un grand merci aussi à l'équipe à réalisation pour votre coup de main. Bonne soirée, l'OMBC, et que continue pour tout bien.
Thank you.